certainement une très très forte affluence, beaucoup d'animation, et la fête va se durer jusqu'à ce soir 18h. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte se passe cette fête? Alors, on est dans la journée internationale de l'enfant, donc ça nous permet effectivement d'évoquer les droits de l'enfant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus festif, effectivement, que d'organiser ce genre de fête? Donc, c'est la première fois à Bussy que l'on participe à cette manifestation. Et vous voyez autour de moi énormément de personnes, beaucoup de familles, bien évidemment, et surtout beaucoup d'enfants qui vont toute la journée pouvoir bénéficier de jeux gratuits, de démonstrations, d'ateliers culturels et sportifs. Ah oui, je vois que le gymnase derrière vous est rempli, on entend quelques échos là. C'est une démonstration de cadence, c'est ça, je crois. Alors, il va y avoir de la K-pop, il va y avoir des démonstrations d'arts martiaux, il va y avoir du chant, du théâtre, il va y avoir de tout, et puis des ateliers de maquillage, des ateliers de pêche. Voilà, le but du jeu, c'est qu'en famille, on passe un très bon moment à Bussy. Oui, je crois que c'est bien parti. Hein. C'est bien parti. Dites-moi, par rapport à ce qu'on venait d'évoquer, donc Bussy Saint-Georges a reçu une labellisation très importante de la part de l'UNICEF. De quoi s'agit-il? En fait, nous avons posé nos candidatures sur Ville Amie des Enfants de l'UNICEF et nous avons été retenus. Et donc, toutes nos manifestations, on a des points d'engagement, participent de cela. Donc, on a un atelier de l'UNICEF dans cette salle qui permet de mettre en conformité notre partenariat. Donc voilà, donc on est très fiers de pouvoir arborer cette labellisation de l'UNICEF. D'accord. Juste une petite question un peu taquine. Est-ce que il n'y aura pas une petite concurrence avec Noël quand même C'est sûr qu'effectivement, alors là, on n'est pas dans un cadre, ni religieux, ni autre, mais c'est vrai que c'est une petite préparation pour Noël, on va dire ça comme ça, ce qui permet aux enfants de pouvoir se réunir, de pouvoir découvrir aussi un certain nombre d'activités que leur offre la ville, et puis de passer un très bon moment ensemble, c'est surtout ça. Donc Noël arrivera un peu plus tard, donc on prépare Noël un petit peu en avance, Lucie. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour ces moments que vous nous avez accordés, et puis... Je crois que la fête se prépare comme quelque chose d'absolument gigantesque vu l'affluence qu'il y a autour de nous. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Nous sommes avec Odile Grenet, qui est responsable départementale pour l'UNICEF. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la portée que la ville de Bussy-Saint-Georges vient de recevoir, le label que la ville de Bussy-Saint-Georges vient de recevoir de la part de l'UNICEF? Alors, ce n'est pas un label, c'est un titre, hein, c'est-à-dire que c'est le titre Ville Amie des Enfants qui est transmis, enfin qui est donné, on va dire, tous les 6 ans, hein, puisque c'est un titre qui est valable sur la durée du mandat. Voilà. Mm-hmm. Et en gros, ça met en exergue la politique de la ville, de la politique enfant-jeunesse que mène la ville. Voilà. Donc, c'est une forme de récompense qui montre que la ville s'engage pour respecter les droits de l'enfant. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc nous, notre présence aujourd'hui, elle est importante, hein, puisqu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui se fête tous les 20 novembre. Voilà, donc on est partenaire de Bussy-Saint-Georges, on les accompagne sur leur politique, et la présence de l'UNICEF le jour des droits de l'enfant, c'est pour nous une évidence. Oui, c'est comme une évidence, comme voilà, vous dites. Exactement. Voilà. La déclaration des droits de l'enfant, ça remonte à combien de temps à peu près? Les 1989, années 80... elle a été ratifiée par la grande majorité des pays du monde. Voilà. Donc, elle est plus que jamais, elle est remise au goût du jour, hein, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va dire qu'il y a parfois une dégradation, hein, du respect des droits de l'enfant. Donc, il faut sans cesse rappeler ces droits de l'enfant à travers des journées comme ça, c'est très important. Oui, c'est comme un combat qui... C'est un combat perpétuel. Perpétuel, voilà. Exactement, parce qu'il y a toujours des enfants soldats, il y a toujours des enfants qui sont violentés. Tous les enfants ne vont pas à l'école à nos jours. Il y a des enfants qui n'ont pas d'identité. Donc voilà, c'est un combat quotidien. D'accord. Eh bien, Odile, je vous remercie des moments que vous venez de nous accorder. Et puis, bon courage pour votre mission. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.